tous, équipe de la Banque mondiale, nous sommes impressionnés par l'entrepreneuriat des jeunes dans un domaine qui est parfois où on ne voit pas l'opportunité économique. De voir des jeunes qui inventent des technologies nouvelles pour avoir des solutions au changement climatique, de voir des jeunes qui se mettent ensemble pour fabriquer du charbon écologique qui est utilisé dans les ménages à des coûts abordables et qui continue à innover. Ça, c'est très, très impressionnant. Ce qui est aussi impressionnant, c'est de voir qu'ils ont des projets pour mettre en œuvre toute la chaîne de la production des déchets écologiques qui vont être utilisés pour le charbon et d'autres instruments. Et ils ont d'autres projets qui sont assez importants pour pouvoir aussi attirer de l'investissement privé. Donc, ils créent de l'emploi, ils sauvent les arbres, ils sauvent aussi la santé de beaucoup de familles. C'est vraiment impressionnant. Félicitations. Et nous, la Banque mondiale, c'est ce qu'on souhaite voir, de voir plus de jeunes dans ce domaine-là, de l'environnement. L'environnement n'est pas seulement pour sauver les arbres et sauver l'environnement par rapport au changement climatique, mais c'est aussi des opportunités d'emploi. Ce sont des opportunités économiques. Donc, je suis vraiment impressionnée. Et la Banque mondiale, dans tout son groupe, avec la Société financière internationale, nous sommes intéressés par des initiatives de ce genre. Et on va voir dans quelle mesure on va continuer à appuyer des jeunes comme ceux qui constituent CAGE.